giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Le lycée est en plein bouleversement dans Plus belle la vie. En effet, Laetitia connaît de nombreuses humiliations au sein de la classe de Noé. Mais elle semble remonter la pente et se permet de se venger sur Betty et son compagnon. Mais la contre-attaque est de mise, dans Elle, épisode 4629 diffuse le vendredi 30 septembre 2022 sur Elle, antenne de France 3. Les deux adolescents deviennent la cible de moquerie au sein du lycée et veulent avoir le dernier mot concernant cette guerre entre Laetitia et les élèves. Pourtant, ces derniers ont, pour la plupart, pris le parti de la mère de Kevin. Cependant, Noé et Betty souhaitent vivement virer Laetitia de Elle, établissement. Ils interceptent une discussion de Blanche. Elle, enseignante de Franck, elle ordonne Elle, il sent le savoir. Betty appelle donc une inspectrice des académies et amie de la professeure. Elle se fait passer pour sa parente et affirme que Laetitia Belesta fait Elle, apologie du discours de Petain en cours. Elle, interlocutrice au téléphone, ordonne une inspection des urgences qui sera réalisée dans les 10 prochains jours. Comment la mère de Kevin va réagir à cette nouvelle attaque? Dans le mi-temps, Céline sort de Elle, hôpital en compagnie de Vincent. Elle, avocatesse, excuse alors pour tout le mal qu'elle a pu faire durant toute sa période des hypnoses. Elle, architecte, accepte volontiers ses excuses et ne lui en veut pas. Au contraire, depuis qu'il la revoit, il est heureux même en étant ruine. Cependant, les mésaventures continuent pour Céline. En effet, Céline est de nouveau manipulée à distance par le docteur Livia. Elle est habillée en petite tenue et se dirige chez Vincent. Elle le menotte et sort un couteau. Vincent est en grand danger. Sera-t-il tué? La suite des aventures des habitants du Mistral est à découvrir dans les prochains inédits de Plus belle la vie, diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 20h20 sur France 3. Découvrez ici le résumé de Elle, épisode 4628.